Voilà, premier fiche pour Arthur. Une belle commune de 13,5. Donc on est parti pour 4 jours là. Je vais vous expliquer un peu comment on a procédé, comment on a mis en place la session, comment ça a avancé parce qu'on s'est rendu compte de certaines choses. Et puis voilà, c'est parti. Donc il commence fort Arthur avec un gros fiche, pris avec ses bouillettes New Age de chez New Water. Yes, ça marche. Hein. Après le grand lac, la rivière. Voilà, donc on va la relâcher. Ça fait un moment qu'elle est au sac. On attendait quelques rayons de soleil et en espérant qu'on en fasse d'autres. Allez, je le remonte une dernière fois. Nickel. Allez, super. Alors bonsoir à tous. Donc là on se retrouve pour une longue session pour moi, un peu plus courte pour Arthur. Ouais, bah je pars demain soir, hein. C'est deux jours, deux nuits. Là on est le deuxième jour en fait, je fais la présentation de session le deuxième jour. Moi je vais faire cinq jours, on a passé la première nuit. Donc comme vous aurez pu le voir, Arthur a eu l'occasion de faire une jolie commune. Une belle commune, nickel, départ de fou en plus. Ouais, ce qui s'est passé, c'est que Arthur avait insisté pour que je mette un réveil à 7h ce matin. Ouais, c'est vrai. Et moi, je lui disais pourquoi, ça sert à rien. Et bon, j'avais fini par mettre le réveil. Et ce qui s'est produit, c'est que on n'a pas déroulé de la nuit. Enfin, moi, j'ai fait deux départs de chevennes, casse, coup sur coup, ou deux cartes, on ne sait pas d'ailleurs. Il est 21h, là, je vais reposer ma ligne suite à une casse. Ah, bip. Ça avait l'air d'être des chevennes. Et. À partir de 10h30 du soir, ça n'a pas déroulé, on a veillé jusqu'à 2h du mat. À 7h, il y a le réveil que Arthur m'avait demandé de mettre qui sonne. Je me réveille, je réveille à moitié Arthur, et 5 minutes après, déroule sur ses lignes. Ouais, c'est parti comme... Bon, heureusement que j'étais levé, hein, parce que là, je pense qu'elle aurait été dans les arbres. Ouais, et du coup, on est parti fort. J'ai pas eu l'occasion de filmer, parce que je trouvais pas la GoPro, c'était 7h. Faut savoir qu'on est mi-février, donc il y a encore de la pénombre à 7h, c'est pas... Ah, c'est pas encore bien levé, quoi. Ouais, malgré le fait qu'il fasse quand même plutôt doux. Donc il y a eu un redoux, des fortes pressions. Et là, on a tout recalé à la perfection. Faut savoir qu'on est jeudi, on est arrivé hier, mercredi. En fin d'après-midi, ouais. Voilà, on a monté la tente, on est arrivé en bateau, donc... On dépose tout en bateau, c'est bien plus simple. Ah bah, avec les arbres et tout, c'est chaud. Voilà, et il faut gérer tout ça. Donc moi, j'ai une ligne qui pêche avec les Life System de chez CC Moore. Et une ligne qui pêche avec les Eucky. Je voulais pêcher avec des bouillettes carnées. Du coup, j'avais que des Eucky, je pêche avec les Eucky. Et on a fait des petits spots, donc avec le maïs que j'ai l'habitude d'utiliser, que je fais gonfler, où je conserve d'ailleurs l'amidon. Et le sucre qui crée une espèce de pâte qui marque bien le fond en fait. Du coup, j'ai joint le maïs à mes bouillettes et ça crée un amorçage plutôt intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, franchement, j'ai vu tout à l'heure. C'est bizarre, ça fait genre une pâte, mais bon, c'est justement ce que les carpes elles aiment, je pense. Et du coup, moi là, j'ai pêché deux cannes sur bouillettes les New Age. C'est genre des carnets qui sont. Hyper protéinés comme les Eucky. Et du coup j'en ai mis deux en danse. Je les ai calés près des arbres. On aura l'occasion de vous montrer tout à l'heure. Et j'en ai mis une ma dernière canne qui est un peu joker. Je l'ai mis sur un tas de vases. Et quand on est allé en bateau à l'aplomb, on a vu des marques de fouilles en fait. Ouais, des grouinages d'un diamètre assez... C'est comme la lune en fait. Assez impressionnant, voilà. Ouais. Et on a mis une autre petite canne joker, je vous en dis pas plus. Petite dédicace à JC qui nous a apporté pas mal d'informations. JC. Il est venu ce matin. Et ouais, une rencontre sympathique. Voilà. Avec qui on a pu échanger un petit peu par rapport à la rivière et... Et le bief aussi. Et au bief, voilà. Arthur est allé prospecter aussi ce matin. Donc t'as vu quoi plus bas? Les poissons ils sont pas trop de sortie. J'ai vu des trucs intéressants, des arbres, des gros fonds.
J'ai trouvé jusqu'à 6 mètres avec le sondeur. Ouais. Et bah, ce sera peut-être l'occasion pour une prochaine session d'y aller plus bas. Peut-être ce sera mieux pour les départs en journée. Pourquoi pas? Pourquoi pas, on verra bien. Ah, présent le gonzin. Ah, yes. Allez mon pote, avant que tu partes. Allez là-bas. Pas énorme. Non. Il est quelle heure? 10h30. Sur la carte, sur la canne que je pensais que ça allait pas dérouler. Non. Hop. Ah 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 ah, elle va dans la bannière de l'autre. Ouais, moi je suis réveillé depuis 7h. Putain, pas mal. Et cette espèce de boule sur le côté. Non, je reste comme ça.
Alors voilà, un fish qu'on a fait ce matin à la levée du jour. Cette nuit, ça a été hyper dur pour nous. On n'a fait qu'un départ sur mes lignes. L'hameçon a cassé, comme vous aurez pu le voir. Enfin, j'étais extrêmement déçu, j'ai peu dormi. Du coup, ce matin, j'avais le moral dans les chaussettes. Je me suis dit que j'allais pas faire la nuit de ce soir ni la nuit de demain. Bon, il y a Sylvain qui arrive ce soir. Je vais quand même rester avec lui ce soir. Et si jamais ça se passe bien ce soir, ben, je finirai quand même la session de 4 jours comme prévu. Et voilà. Ah, nickel. Hein. Et toujours sur les New Age. Ça marche encore. New Age de chez New Water. Les billes que tu utilises, Arthur, ça marche super bien. Ah, et c'est encore prouvé. En rivière. Voilà. Un beau poisson avec un bel écaillage. 14,5 kg. 14,5 kg. Voilà. Allez, on va aller chercher